Pour faire la crème pour le visage et pour la peau, eh ben il faut du gingembre, il en faut un quart de cuillère à café, un quart à cuillère à café de gelée royale, il faut une cuillère à café de jus de citron vert et une de miel. Et après, il faut 55 g de crème de coco, 55 g de crème et 55 g de beurre. Alors, faudra que je fasse une vidéo pour vous montrer comment faire la crème de coco, parce que celle-là, je la fais moi-même avec des noix de coco entières, comme celle-là. Alors là-dedans, il y a la crème de coco, la crème et le beurre, que je mets à faire fondre. Alors, Ajounousse dit de d'abord mettre crème de coco avec jus de citron vert et de laisser ça ensemble pendant 10 minutes, et ensuite de rajouter tous les ingrédients. Donc j'ai oublié, donc je vais rajouter là-dedans le jus de citron vert. On va dire que ça va être bon comme ça. Voilà, j'ai les ingrédients principaux qui sont fondus. Je rajoutais un quart de cuillère à café de gelée royale, une cuillère à café de miel et une cuillère à café de jus de gingembre. Cette crème, la crème primale pour la peau et le visage, eh ben ça sert à... Enfin, c'est une crème qu'on se met sur la peau, que ce soit sur le visage, sur le corps, peu importe. Elle sert de crème solaire, d'auto-bronzant. Elle sert les deux à la fois. Elle permet de, au fur et à mesure, si on l'utilise vraiment quotidiennement, gommer les cicatrices. Et on peut aussi la mettre sur des petites plaies, comme des coupures, si on est écorché et si on est brûlé. Donc ça permet sur ces plaies d'aider à cicatriser, donc il y aura moins de cicatrices, voire pas du tout. Ça permet de les garder hydratées, ça c'est important, pas les laisser sécher. Ah, et aussi, si on a des coups de soleil, eh ben on peut aussi appliquer cette crème. Donc c'est la crème qui sert vraiment à tout faire. Si jamais il vous manque certains ingrédients, comme par exemple la crème de coco, ben je pense que vous pouvez faire un substitut en rajoutant un peu plus de crème ou moitié crème, moitié beurre. Ou alors, vous pouvez aussi tout simplement juste mettre rien que juste du beurre sur la peau. Ça peut suffire. J'aime me beurrer la biscotte. Si jamais vous allez dans la mer, parce que l'eau salée, ça peut vraiment assécher la peau, ben c'est de, avant de rentrer, c'est de se badigeonner de cette crème-là, ou alors même tout simplement de beurre. Ça va permettre de protéger la peau. Surtout, ne pas mettre les crèmes solaires et les crèmes tout court du commerce sur la peau, parce que y a plein de produits cancérigènes, comme l'oxyde de titane ou de zinc, des choses comme ça, dans les crèmes solaires. Et puis sinon, ben, toutes les crèmes, même les crèmes solaires en général, elles contiennent des produits pétrochimiques, donc qui sont très toxiques et qui sont cancérigènes. Il y a une règle à appliquer, ce qu'on met sur notre peau, on doit être capable de le mettre dans notre bouche, parce que avec notre peau, on absorbe beaucoup de choses. Surtout quand c'est gras, quand c'est huileux, la peau l'absorbe.